Là, honnêtement, j'ai pas envie de rire. Non. Il y a des personnes qui ont démoli 39 menhirs à Carmac. Ce ne sont pas des simples cailloux. C'est protégé. Ils sont protégés. Et ils ont détruit. Pourquoi faire? Un magasin de bricolage. Je trouve ça honteux. Question. La mairie a sans doute eu un pot de vin pour accepter ce genre de scandale. Les menhirs ont toute une histoire. Rappelez-vous dans les années 1900-1909, quand les menhirs ont été découverts, imaginez, parce que les menhirs étaient allongés, imaginez qui dit « Allez, on fait un peu de ménage, on enlève ceci, on enlève les cailloux, et on fait autre chose. » On n'aurait plus de menhir, en tout cas à Carnac. Alors que, ouais, je suis outré, scandalisé par le maire, par ceux qui ont donné les autorisations, par ceux qui ont décidé de ça. C'est scandaleux. Je dis pas ça seulement parce que je suis breton, mais de Carnac. Ça n'appelle que je suis scandaleux. Ma mère m'a dit ça, elle était presque en pleurs. Les Bretons, les Carnacois sont scandalisés. Alors oui, moi je vous propose de ne pas y aller dans ce bricorama. Ben non. Faire un procès contre lui, mais c'est aussi faire un procès contre la mairie. La mairie ne va pas nous soutenir, étant donné qu'ils ont eu des pots de vin. Le monde est pourri, c'est tout ce que j'ai à dire. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt. Kenavochel Grobec. Et j'espère que ce ne sera pas pour une mauvaise nouvelle.